Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une vidéo assez courte parce qu'on va tout simplement restat le roublard ensemble et comme je vous l'avais promis dans la vidéo du Kimbo précédente, et eh bien maintenant que toutes les reliques sont comment dire, qu'on les a toutes, on va quand même le vérifier. Reliques, on a bien le Gourlot, le Tinryl, le Kimbo, le corailleur et Razzbull, donc c'est bon. On peut aller vers Otomaï. Les quêtes sont déjà faites de mon côté. On n'a que à parler à lui. Changer sa constitution. On va prendre la deuxième potion. Lui partiellement ce caractéristique. Voilà pour être sûr. Pas récupérer. Voilà. Donc là, on a restat. Donc nous voilà avec 900 points. De comment dire, de capital. Donc on va faire en sorte d'avoir 300. Ah ouais, non. Moi je veux avoir plus. Je veux qu'on ait 300 d'agilité en fait. On va mettre 450, c'est plus que ça, 500. Voilà, c'est 500. C'est nickel. On a nos 300 d'agi. Et le reste, on va mettre full vita. Voilà, donc on monte à 4180 HP et 1140 d'agilité, ce qui est franchement pas mal. C'est grâce à notre Sirocco qu'on monte à autant d'agi. Donc franchement c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, au niveau du stuff, c'est sûr que y a vachement mieux à voir. Faut que je fasse quelques petits changements. Même si pour le moment ça me plaît. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, ça va, c'est un peu trop, comment dire, trop que tout le monde a la même chose en fait. C'est toujours les mêmes stuff avec les mêmes G. Enfin. Je pourrais aller dans les exos et tout ça, mais j'ai pas les moyens pour le moment, puisque j'ai investi pas mal dans le stuff du roublard et dans des parchetages de sorts. Et puis il faut que je garde toutes mes roses de sable pour arriver à 20 000 et pour pouvoir faire la quête du Dofus pourpre, qu'on ajoutera bien sûr au stat. Je crois qu'il remplacera le ravageur ou alors le saccageur. R, je verrai bien. Ou bien juste pour PVP, on enlèvera le carotte, le carotte bien, le kawotte et on mettra le pourpre à la place, on verra bien. Donc ça me semble vraiment pas mal, hein, 4100, enfin presque 4200 PV pour 1140 d'agi, c'est vraiment pas mal. Ouais, je vais pas me plaindre, je vais vous montrer vite fait les G que j'ai, mais ça me semble pas mal. Donc c'est pas des G parfaits partout, mais c'est des G potables. J'ai pas les CC sur tout, mais je joue pas full coup critique. Puisque j'ai seulement 26 CC et moi du moment que je suis 1 sur 2 avec ma dague boomerang, je suis content. Donc voilà, je suis 1 sur 2, je suis pas 1 sur 2 avec Espingol. Je suis 1 sur 5, mais c'est pas ce que je recherche en tout cas. Donc j'ai pas mal de bonnes résistances, beaucoup de vie grâce et pas mal d'agi grâce à la panneau Alistair et les deux items clim que j'ai ajoutés récemment. Et enfin voilà, ça me donne pas mal d'agi. 10 PA, 6 PM, 6 de PO, enfin c'est assez optimisé, je vais dire, pour un stuff pas cher. Et au niveau des trophées, ben voilà, j'ai des simples agilités. Je pourrais en avoir plus. Mais je me suis dit qu'il fallait un petit peu favoriser les. Enfin, défavoriser la perte de caractéristiques. Parce que comme je prenais un Sirocco, eh ben j'allais avoir 100 de vitalité en moins. Donc le émeraude est le bienvenu dans le stuff. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Ah, ça c'est bien, je vais donner quelques ingrédients qu'il lui fallait. Pour le ocre, donc il m'en reste plus des centaines à avoir. Je suis à l'étape 13, il y en a 35. C'est super.
Enfin, soit, ben, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de stuff R, donc niveau 199, que je pourrais changer histoire d'améliorer un petit peu tout ça, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je lirai, j'essaierai ben, de faire des changements si je vois que c'est vraiment rentable et que c'est pas trop cher, parce que si vous commencez avec des exos et tout ça, je saurais pas me les payer actuellement, puisque voilà, je travaille plus d'offus comme avant, je passe pas des heures à farmer et tout ça. Et ben. La seule chose que j'ai pour me faire de l'argent pour le moment, bah, c'est j'essaie de monter mes métiers. Voilà, donc bûcheron 59, mineur 73. Donc bûcheron, faut que je m'y remette. Ça fait longtemps que j'ai pas. Coupé un peu de bois. Et bah, faudrait que je passe niveau 60 bûcheron. Histoire d'avoir des nouveaux arbres à couper. Et bah, mineur, faudrait que je passe 100 pour bien faire. Et sculpteur de baguettes, faut que je passe 100 aussi. Histoire de pouvoir ben, crafter toutes les baguettes du jeu. Et puis après, faudrait que je fasse ensuite le sculpte mage. Mais ça, c'est beaucoup trop chiant à faire. Mais bon, j'y arriverai un jour à passer niveau 100 de ce truc-là. Enfin, soit, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux sur la chaîne. Pour ceux qui regardent les vidéos, je vous conseille de tout mettre, de mettre tout en 1080p et regarder en plein écran. Alors là, vous aurez une qualité tip-top. Et comme ça, eh ben, vous verrez la vidéo en super qualité. Je vais quand même le dire à ma guilde que je me suis restat. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. Tchuss.